Bunu hələ 1965-ci ildə Qananın eks-prezidenti, məşhur filosof və sosioloq Kwame Nkrumah demişdi. Və onun sözləri bugün də biz bir daha görürük ki, onun sözləri təsdiq olunur. Hazırki şəraitdə kolonial əsarətdən qurtulmuş, azad olunmuş dövlətlərin suverenliyinə çox müxtəlif istiqamətdən hücumlar olur. İqtisadi, sosial, mədəni və mən bir hüquqi aspektə burada diqqət yetirmək istəyirəm. 1998-ci ildə Roma Diplomatik Konferansında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi təsis edildi. Və bu məhkəmənin yurisdiksiyasına təcavüz, soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri daxil idi. Məhkəmənin nizamnaməsi 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minib və artıq bu fəaliyyətdədir. Belə ümid bəsləmək olardı ki, qlobal miqyasda cəzasızlığın aradan qaldırılması, beynəlxalq cinayətlər törədilmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və cəzalandırılması həyata keçiriləcək. Ancaq çox təəssüf ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi beynəlxalq cinayət hüququn regionallaşmasına çox ciddi töhfə verdi. Əgər bugün siz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin onda olan işlərə nəzər yetirsəz, onun icraatında olan cinayət işlərinə nəzər yetirsəz, görəcəksiniz ki, bu cinayətlər əsasən Afrika ölkələrini əhatə edir. Burada bir sual çıxır. Bəyən beynəlxalq cinayətlər dünyanın başqa nöqtələrində baş vermirmi? Və bu cür, beynəlxalq məhkəmənin bu cür qeyri-obyektiv yanaşmasına cavab olaraq, bir sıra Afrika devletleri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxmağa başladılar. Və bu proses hələ də davam edir. İkinci bir məsələ. Daxili qanunvericilikdə belə bir cinayət yurisdiksiyası növü var, universal yurisdiksiya. Və son zamanlar bir sıra Avropa devletlerinin məhz Afrika xadimləri əleyhinə bu yurisdiksiyanın tətbiq edilməsi, məsələn 2000-ci ildə Belçikalı istintak mənsubu Kongo Demokratik Respublikasının Xarici İşlər Naziri Yerodian Dambasinin əleyhinə bir həbs orderi çıxarmışdı. Və sonradan bu məsələ BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində də baxıldı. Məşhur Arrest Warrant Case. Və orada Beynəlxalq Məhkəmə bu cür şəxslərin immunitetini mütləq xarakter daşımasını təsdiq etdi. Bu istiqamətdə addımlar yenə də davam edir. Və mənim qənaətimə görə bütün bunlar Afrika dövlətlərinin suverenliyinə, Afrikada rəhbər şəxslərin immunitetinə yönələn bir hərəkətlərdir. Və şübhəsiz ki, beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq istiqamətdə və beynəlxalq hüquq müstəvisində də bu hücumlar təəssüf ki, hələ də davam edir. Və bunlara qarşı, əlbəttə ki, birlikdə mübarizə aparmaq lazımdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Nizam müəllim. Həqiqətən də minnətdarım bu dəyərli fikirləriniz üçün. Mən tamamilə sizinlə razıyam. Bəzən sanki bu adiyyatı beynəlxalq təşkilatları, bu beynəlxalq məhkəmələri yaradan ölkələr sanki onlar utanırlar ki, bir istinad siyasi çıxarsınlar və o istinad siyasında öz adlarını, öz ölkələrinin adlarını sadalasınlar. Çünki həqiqətən siz vurguladığınız məqamda niyə sırf müəyyən seçilmiş ölkələrə tətbiq edilir bu qaydalar, bu müddualar, bu beynəlxalq hüququn tələbləri? Sanki onlar çəkinir bir istinad siyasi yaratsın və o istinad siyasında orada başda Fransa və digər qərb ölkələrinin adlarının sadalanmasından çəkinirlər. Məncə, artıq bizim günlərimizdə, 21-ci əsrdə bu artıq ifşa edilibdir ki, bu təşkilatlar yaradılır, bu qaydalar
bu nizamnamələr, əsasnamələr təsdiq edilir, amma müəyyən istinadlar var, müəyyən istisnalar var ki, bu ölkələr ora aid deyil. Bu tələblər, bu qaydalar onlara keçərli olmur, təəssüf ki. Mən düşünürəm ki, hələ də beynəlxalq hüququn ədalətinə inanmağa cüzi də olsa bir ümidimiz var və ümid inşallah öz bəhrəsini verəcəkdir. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Please, come in, please. Floor is yours. Merci. Bon, moi, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que coordinateur d'ONG, je pense qu'actuellement, mon pays, le Mali, vous le savez, dans le Sahel, on a eu beaucoup de problèmes avec la France ces derniers temps. Et le franc CFA, l'argent que le Mali utilise, est fabriqué en France. Donc, à un moment donné, vu la crise, on avait on a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir décaisser nous-mêmes notre argent. Parce que tout simplement, il y a eu des mécanismes pour freiner, pour que le peuple se soulève contre les autorités. Donc, ils ont tous les mécanismes, en fait, pour qu'on ait des problèmes dans nos pays. Déjà, l'argent, on ne fabrique pas l'argent que nous consommons. C'est fabriqué en France. Donc, là, déjà, c'est déjà un poids. Comment faire pour quitter dans ça? Et là, on a besoin de tout un chacun, de bonne volonté. Et il faut passer par la société civile, par le peuple. Parce que les dirigeants sont déjà, en quelque sorte, ils sont pris par la France. Donc c'est le peuple qui peut former, informer et sensibiliser pour qu'il y ait éveil de conscience. Et là, ensemble, on peut le faire. Il faut former, il faut informer, il faut sensibiliser par rapport aux enjeux de la colonisation. Parce que c'est un combat. À chaque fois qu'on veut se libérer, il y a d'autres Africains. En fait, c'est pas, ils ne viennent pas actuellement, ils ont changé, le système a changé. On passe par d'autres Africains pour combattre les Africains. Surtout les pays colonisés. Dans mon pays, c'est le cas. Au Mali, actuellement, on essaie de faire ce qu'on peut, mais toujours, ce sont les Africains, nous-mêmes, ce sont les Maliens, autres Maliens qui viennent déguiser pour détruire tous les systèmes que nous sommes en train de construire. Et je pense qu'avec l'initiative de Bakou, on pourra voir comment est-ce que former les gens, avoir les gens bien équipés, bien formés, bien informés, ensemble avec d'autres pays aussi, pour pouvoir former la population pour un éveil de conscience par rapport à la colonisation. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Thank you very much, Kabin, for your thoughts. Now I would like to commence some interactive dialogues with our other conference participants. Please. Yeah. Bonjour tout le monde, chers parlementaires, chers membres du gouvernement, chers jeunes, chers Azerbaïdiens, chers Africains, bonjour. Je me nomme Elisabeth Okugo Obama, militante panafricaniste et activiste des droits humains du Cameroun. Je voudrais commencer mon propos par dire infiniment merci au groupe d'initiative commune de Bakou, qui nous a invités ici pour pouvoir nous exprimer. Je salue cette initiative parce que très souvent, les autres parlent à notre place. Il y a un proverbe africain, un célèbre écrivain africain, il s'appelle Amadou Mbateba, c'est malien. Il a dit ceci un jour, et je le resitue dans le contexte où il le disait. Pourquoi parler au nom de la chèvre alors que la chèvre est présente? Par analogie, pourquoi parler au nom des Africains alors que les Africains sont vivants? L'initiative de Bakou crée de l'espace, donne l'opportunité aux Africains de parler eux-mêmes de leur situation et de leur contexte. Et ça, c'est vraiment innovateur. Plutôt que d'avoir des gens qui vont ailleurs parler pour nous, alors que nous sommes là. Et c'est l'infantilisation.
qui est une structure coloniale. Nous disons non à ça. Donc, merci infiniment pour cette initiative qui nous est donnée, parce que nous connaissons mieux ce que nous vivons, ce que nos ancêtres ont vécu, et nous sommes mieux placés pour dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Je voudrais par la suite faire très rapidement un rappel historique, puis situer la situation de la globalisation et ses effets sur le continent africain, particulièrement dans l'espace francophone. Et enfin, je vais donner trois axes d'action concrètes, de propositions d'action complètes. En termes de rappel historique, il ne faut pas oublier, l'Afrique n'a pas que connu l'esclavage occidental. L'Afrique a connu d'abord plus de 200 années d'esclavage arabe. Le continent africain, c'est la première forme d'esclavage qu'on a connue, c'est l'esclavage arabe. Après l'esclavage arabe, nous avons connu 400 ans d'esclavage occidental porté par le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. L'Angleterre, autant pour moi. C'est très lourd comme passif pour un peuple. C'est très lourd parce que pendant cette période, le continent était dépouillé des forces vives qui devaient construire l'histoire de ce peuple. Et sorti de cet esclavage, il n'y a pas eu un temps de répit. Ça n'est suivi la colonisation, l'impérialisme, l'hégémonie et le dépouillement de nos ressources naturelles. On pensait être sorti de l'ornière à travers les luttes indépendantistes, mais on n'a pas reçu le congrès de Berlin de 1944, on n'a pas reçu, après le congrès de Berlin de 1944 qui a porté sur la répartition de l'Afrique comme un gâteau sur l'échiquier mondial entre les puissances qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu de répit. Et cette répartition a eu pour conséquence de diviser des peuples, de diviser les peuples sans tenir compte de toutes leurs appartenances, de leur unité, de leur culture, de leur structure. Et ces peuples-là, on les retrouve dans des pays. On a deux Congos, on a une partie SCA, Cameroun, Tchad, qui sont des frères. On a de l'autre côté Mali, Niger, autres, qui sont des frères. Mais c'est la politique du diviser pour mieux régner. Et après cela, on est rentré dans le néocolonialisme. Dans les années 80, avec le boom économique, l'essor économique lié à l'industrialisation en Occident, on a connu la mondialisation, la globalisation. Et quels sont les effets? Le malheur ici, c'est que à chaque fois, la conceptualisation des politiques n'est pas inclusive des différents continents. C'est-à-dire que ça se décide ailleurs et ça s'applique à vous. Et on va se rendre compte que, et je le dis comme un célèbre écrivain martiniquais disait, Aimé Césaire, il disait ceci: dans le monde globalisant, il y a deux façons de se perdre. La première façon de se perdre, c'est la dilution totale dans l'universel. Et c'est ce que l'Afrique vit aujourd'hui. La dissolution totale dans l'universel. C'est-à-dire que nous avons perdu nos repères, nous avons été assimilés, on nous a amenés à absorber tout ce qui vient d'ailleurs, et on ne se connaît plus, on a perdu notre identité. Et comment est-ce qu'on peut faire force dans le rendez-vous du donner, du recevoir, du monde globalisant? Comment est-ce que nous pouvons faire le rapport de force avec ces dynamiques de pouvoir qui sont défavorisables par rapport à l'Afrique? Ce n'est pas possible. La deuxième façon de se perdre ici, c'est la ségrégation dans le particulier. Ça signifie quoi? Autant nous sommes contre un monde globalisant qui assujettit les personnes, qui assujettit les peuples, autant nous sommes contre l'autarcie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus possible pour un peuple de se refermer sur lui-même. Mais il faut que les peuples contribuent tous de façon équitable à la construction de ce monde qu'on voudrait globalisant. Alors, quels sont rapidement les effets de la globalisation sur notre souveraineté en Afrique? Il nous a été imposé des instruments de la domination et de l'hégémonie occidentale. Un des instruments, c'est la mise en place des plans d'ajustement structurel.
Mais les compatriotes, les Africains peuvent dire ici comment était le coût de la vie, comment l'État jouait un rôle essentiel dans l'accès aux services sociaux de base pour les citoyens. Comment on peut demander, à travers les plans d'ajustement structurel imposés par les institutions du Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et autres, au profit des États qu'on dit contributeurs de l'aide, de quelle aide il s'agit? Une aide où on vous impose à plus de 20 fois, plus de 26 fois les taux d'intérêt des prêts que vous recevez. De l'aide où on vous impose que pour les prêts que vous recevez ou de l'aide que vous recevez, les conditionnalités seraient que ce soit ces États qui vous imposent des secteurs où vous allez injecter les ressources. Que ce soit ces États, ces pays, ces puissances qui vous imposent, les multinationales qui vont venir investir pour l'aide que vous recevez. De quelle aide on parle? Un endettement impossible que des générations futures africaines devraient être à payer alors qu'elles n'en ont pas bénéficié. Il y a eu la privatisation des structures étatiques. Il y a eu la baisse du niveau de vie de la population. Nous parlons de globalisation. On nous impose d'entrer dans le commerce mondial international. Comment peut-on entrer, l'Afrique peut entrer dans le commerce mondial international si ce n'est pas qui fixe les prix? Très rapidement, oui. Il me demande d'arrêter, c'est ça? Tamisova? I should go slowly. Ok, si ce n'est pas nous qui fixons les prix à l'échelle internationale, les matières premières, nous avons été imposés par la colonisation à produire seulement les produits de rente qui ne profitent pas à notre économie. Les produits dont les autres, la France et les autres, ont besoin pour leurs économies. Ça ne nous profite en rien. Et une fois manufacturé chez eux, ça revient à des coûts exorbitants. De quoi est-ce que nous profitons? Nous n'avons pas une économie diversifiée. Les prix ne sont pas fixés par nous. Entre-temps, on est dans l'appauvrissement. Les ressources sont davantage pillées. Et les multinationales tuent les petites initiatives locales. Alors, ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui que ce narratif change. Nous voulons au jour d'aujourd'hui que les conditions de coopération, les stratégies de coopération, les conditions soient fixées de façon mutuelle, équitable, entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent, pour qu'il n'y ait plus de structure de pouvoir, pour que nous soyons gagnants-gagnants. Et pour cela, les modèles qui nous ont été imposés de démocratie pour détruire nos États, on n'en veut plus. Nous voulons nous-mêmes construire, choisir nos modèles de gestion, de gouvernance de nos États, comme ça se faisait avant l'esclavage, avant la colonisation. Nos États ont existé, des royaumes ont existé, où chacun avait sa place, les femmes, les jeunes, les hommes, et l'harmonie vivait. Lorsqu'il y avait des problèmes, c'était géré de façon consensuelle. Nous ne voulons plus ces modèles de démocratie ou les modèles de droits de l'homme à deux vitesses. Dans un pays, il y a un coup d'État, on va directement mettre le pays sur embargo avec tous les effets sur la population. Dans un autre pays, il y a coup d'État, mais c'est salué en France, c'est salué aux États-Unis. De quels droits de l'homme et des démocraties parle-t-on? Des modèles à deux vitesses, là où ça va dans les intérêts des colonisateurs, ils applaudissent. Là où ça va contre les intérêts, ils vont mater les droits de l'homme. On sait le monde d'aujourd'hui que ces puissances occidentales sont les champions du monde de violation des droits humains à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'ils ont été jugés une fois? Il y a eu en Afrique, on a tué un leader, Kadhafi, un leader du panafricanisme africain. Mais est-ce que la France, pas son leader Sarkozy, est-ce qu'ils ont été menacés? En Irak, on a tué un leader, c'était Bush, un Américain. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Pourquoi est-ce qu'ils jugent les autres alors qu'ils sont les champions des inégalités, des violations des droits humains? Ça, c'est fini. Nous, Africains d'aujourd'hui, en tout cas moi, ce que nous apprenons aux jeunes générations, c'est de se retrouver l'identité. On ne peut pas être imposé à la globalisation et cela nous coûte notre identité africaine, notre identité culturelle. Pour que la globalisation soit effective, il faut que chaque peuple dispose du droit de faire ses propres choix. Et c'est ça la véritable souveraineté. Et ces propres choix doivent être puisés, doivent refléter leur identité particulière. Parce que chaque peuple a une culture, chaque peuple a
une civilisation. Et c'est en mettant ensemble cette diversité qu'on va construire la solidarité internationale dont il est question. Donc il est au jour d'aujourd'hui, et c'est le travail que nous faisons au sein de la société civile, comment nous pouvons accompagner nos États à pouvoir reprendre cette souveraineté qui leur a été imposée. Et nous disons, nous ne voulons plus être complices de ça. Nous disons, nous ne voulons plus être des personnes, des peuples infantilisés par quelque puissance que ce soit. Et c'est pour cela que toutes ces structures de la colonisation et du néocolonialisme, au jour d'aujourd'hui, nous remettons tout ça en question. Et c'est pour ça également que l'Union africaine, il faut le dire, c'est une structure aussi du néocolonialisme parce que le mode de gouvernance, le fonctionnement est dicté depuis Paris, depuis New York et depuis Londres. Nous également, nous remettons en question le système des Nations Unies qui n'est plus inclusif de la configuration géostratégique et géopolitique actuelle du monde. Parce que ça a été créé en 1945 au sorti de la Deuxième Guerre mondiale pour un but précis, mais il ne représente plus la configuration actuelle. Nous remettons en question tout ça et nous disons merci infiniment ici à l'équipe d'Abbas, Sabine et les autres, le gouvernement azerbaïdjan qui a pris cette initiative et nous pensons continuer cette collaboration pour travailler de toutes les façons à la libération effective des peuples et que les peuples jouissent effectivement de leur souveraineté. Merci beaucoup. Thank you very much, Elizabeth, for enumerated facts, for such insightful speech. And now I would like to give the floor to the person who has comment. And this person several times delivered the realities of colonialism policy as a different international platforms to global community. Our honorable guest, Parliament member, Mr. Tural Gencaliyev, please. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Je suis le député du Parlement d'Azerbaïdjan. Je vous remercie beaucoup pour cette organisation, pour cette conférence internationale, parce que je pense que c'est très important pour nous de discuter et exposer la politique néocoloniale en Afrique, parce que personnellement, je voudrais remercier M. Abbas Abbasov et le groupe d'initiative de Bako. Mais je voudrais poser une question pour tous notre panéliste. Vous avez expliqué beaucoup en détail les aspects du néocolonialisme, la politique du néocolonialisme en Afrique. Mais je voudrais savoir quelles sont les affaires principales. Par exemple, quelles sont les affaires internationalement portées devant les organisations internationales, devant la Cour internationale à propos de politique néocolonialisme en Afrique. Pourquoi je pose cette question? Parce que nous voyons qu'à la lumière de développements récents en Martinique, en Nouveau-Calédonie, est-ce qu'il y a mise en œuvre de politique et exposer la politique agressive, oppressive de la France qui acte contre les peuples aborigènes, qui contre les peuples africains? Je vous remercie beaucoup. Thank you very much, Mr. Gencaliyev, for your comments. And our next speaker is Wasif Hüseynov, the head of division at the Center of Analysis of International Relations. Floor is yours, Mr. Hüseynov. Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for giving me this opportunity to address this distinguished audience. I know that before the coffee break, people are tired. I will try to make my speech as short as possible,
But it's not going to be that short. I will have to keep you here for a few minutes. So before starting to speak, I would like to thank Baku Initiative Group and Abbas Merlim for inviting me to speak here. I am going to talk about the cost of sovereignty, which is the main title of our panel. And the national leader of Turkey, I want to start with his quote, Mustafa Kemal Atatürk, once said that sovereignty is not giving, it is taken. This word resonates today as we explore the cost of sovereignty in a world dominated by global powers and systems that continue to undermine national independence. Sovereignty in its truest sense is not a gift to be bestowed, it is a right to be earned and strongly protected. Yet, in our globalized world, there are many peoples, countries, unfortunately, especially those with colonial histories, find themselves in struggle with forces that seek to curtail this fundamental right. As we gather here to discuss the enduring effects of French colonialism, it is vital to understand that the struggle of sovereignty did not end with the fall of empires. In fact, in many ways, it has taken on new forms, just as sinister, just as restrictive, and it has many dimensions, not only colonialism, pursued and practiced by global forces, but also multinational corporations, transnational units, and etc. So sovereignty at its core means the right to self-determination and an independent nation's ability to make its own decisions for the welfare of its people. Despite the formal end of the colonial rule, today many global powers, including France, maintain a tight grip on its former colonies, undermining their sovereignty and independence. Take, for example, the CFA franc, a currency that binds the economies of several African nations directly to the French treasury. These countries have little control over their own financial systems, limiting their ability to pursue independent economic policies. This monetary arrangement has kept these nations economically dependent on France, restricting their growth and sovereignty. But France is not the only European power engaging in this modern colonial practices. Another country, for example, Netherlands, that has maintained its grip on several overseas territories, especially in the Caribbean, where the Baku Initiative Group recently condemned Dutch colonial policies. The Netherlands continues to control these territories like Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, under guise of improving their welfare. These territories are supposedly autonomous, but remain fully dependent on the Kingdom of Netherlands. Azerbaijan, as a strong advocate of the rights of small and vulnerable nations, has consistently challenged such neocolonial practices on global stage. As the former chair of the Non-Aligned Movement, Azerbaijan has used its leadership to bring attention to these issues often neglected in mainstream political discourse. Under President Ilham Aliyev, Azerbaijan has declared its steadfast commitment to wiping out neocolonialism and all its remnants from the face of the earth. Azerbaijan's support for this course serves as a beacon for countries who are still in struggle with the legacies of colonial rule. As President Aliyev emphasized, Azerbaijan provides and will provide support in order to completely wipe out neocolonialism and its factors left over from this ugly history and from the face of the earth. Azerbaijan's strong commitment to the independence movements around the world is inextricably linked with the country's recent past and the tragedies it had to experience. Azerbaijan's territories were historically subject to invasion and occupation by external powers. We could not protect our first republic, which was established in 1918 and occupied by the Soviet Union just 2 years later.
Azerbaijan remained under the Soviet control for more than 70 years. But when we regained independence, we faced another attack against our sovereignty and territorial integrity. This time, our neighbor Armenia occupied 20% of our external, internationally recognized territories and kept it under illegal invasion for around 30 years. Over the past 4 years, Azerbaijan proudly liberated its occupied territories thanks to the bravehood of our armed forces. Azerbaijan declared September 20 as the Day of Sovereignty to celebrate full restoration of the country's territorial integrity and sovereignty over all the internationally recognized territories of Azerbaijan. Ladies and gentlemen, we have witnessed that the cost of sovereignty in the face of neocolonialism is immense. It is the economic dependency that leaves countries handcuffed, the political instability that arises when foreign powers meddle in internal affairs, and the social unrest that emerges when people realize their supposed independence is little more than an illusion. In the case of French colonialism, it is a loss of dignity, as these nations are forced to prioritize the interests of their former colonizers over their own people's welfare. Yet, in the struggle for true sovereignty, Azerbaijan continues to set a precedent, showing the world that the fight against colonialism is not over. In conclusion, as we stand here today, it is important to remember that the fight for sovereignty is not just about formal independence. It is about dismantling the lasting influence of colonial powers, whether they be France, Netherlands, or any other state that seeks to maintain control through economic, political, or military means. Azerbaijan's ongoing support for nations struggling under neocolonialism serves as a reminder that sovereignty once taken must be defended with unwavering resolve. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much for your research and for your speech, Mr. Hüseynov. And now I would like to invite to the scene our next speaker from Congo, Danny Bas Kabagambe, director of FSA. Chers camarades réunis en ce moment spécial à Bakou pour parler de la décolonisation et du néolibéralisme, je vous salue en rendant évidemment hommage au groupe d'initiative de Bakou qui nous a honorés par cette invitation. Je viens de Kinshasa, la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, Lumumba qui est mort pour la décolonisation. Je vais parler de la souveraineté dans un monde globalisé qui est vraiment un grand défi. C'est notre combat, et un combat qui devait être pour toute personne et prise du progrès de l'humanité. Un combat qu'en Afrique, nous essayons aussi de mener, entre autres, dans le cadre du Forum social africain, le mouvement altermondialiste qui lutte pour une mondialisation équitable. La souveraineté dans un monde globalisé peut offrir plusieurs avantages. Je sais que mes prédécesseurs en ont déjà beaucoup parlé, mais je vais parler de manière globale. D'abord, l'autonomie dans la prise de décision. Les États souverains peuvent prendre des décisions indépendantes en matière de politique intérieure et extérieure en fonction de leurs propres intérêts nationaux et des besoins de leurs citoyens. L'autre avantage, c'est la responsabilité démocratique. La souveraineté renforce la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens, car les décisions prises au niveau national sont plus directement influencées par la volonté du peuple. L'autre avantage, c'est la protection des intérêts nationaux. La souveraineté permet aux pays de protéger leurs productions et leurs industries locales,
leurs ressources naturelles et même leur culture contre les influences extérieures qui peuvent être nuisibles. Les alliances politiques. Les États souverains ont la liberté de choisir leurs alliances et partenaires internationaux, ce qui leur permet de naviguer dans les paysages géopolitiques en fonction de leurs propres priorités stratégiques. Il y a aussi l'avantage de la sécurité nationale. Les États souverains peuvent mieux protéger leur territoire et leurs citoyens contre les menaces extérieures, en contrôlant leurs propres frontières et en ayant le pouvoir de prendre des décisions en matière de défense. L'identité culturelle. La souveraineté aide à préserver et à promouvoir les traditions, les langues et les cultures locales en permettant aux nations de maintenir leur identité unique dans un monde de plus en plus homogène. Et enfin, le développement économique. Les pays souverains peuvent élaborer des politiques économiques adaptées à leurs besoins spécifiques, favorisant ainsi un développement économique durable et inclusif. Mais n'oublions pas que la souveraineté dans un monde globalisé suppose de grands défis, en considération et considération devant faire l'objet de la détermination, de l'engagement et de l'action. Je vais renchérir les propos de mon camarade cabinet Doumbia du Mali en disant ou en parlant de quelques défis, dont principalement les défis politiques. Les accords internationaux et certaines organisations régionales ou sous-régionales mettent à l'épreuve la souveraineté politique des États membres. Par exemple, en RDC, mon pays, la République démocratique du Congo, notre constitution va même jusqu'à accepter d'aliéner une partie de sa souveraineté au profit des organisations comme l'Union africaine. Bien que des organisations régionales ou les accords auxquels les pays sont liés puissent offrir des avantages économiques et sécuritaires, elles peuvent aussi être des facteurs qui permettent de restreindre la capacité des États à exercer leur souveraineté de manière autonome. La solution passe peut-être par des alliances plus solides entre des États qui subissent des injustices. Défis économiques. Nul ne peut nier une interdépendance économique accrue entre les nations par l'effet entraîné par la mondialisation. Les flux financiers transfrontaliers représentent aujourd'hui un grand pourcentage du PIB mondial. Cette interdépendance peut limiter la capacité des États à prendre des décisions économiques indépendantes sans tenir compte des répercussions internationales. Des forces externes font tout pour maintenir les États dans cette situation. Les défis sur le plan environnemental. Les défis globaux comme le changement climatique nécessitent une coopération internationale, ce qui peut parfois être perçu comme une atteinte à la souveraineté nationale. Les accords environnementaux internationaux obligent les États à adopter des politiques qui peuvent ne pas toujours être alignées avec les priorités nationales. Et les institutions financières internationales s'en servent pour opprimer les États. Les défis sociaux et culturels. Les cultures locales et les identités nationales peuvent être influencées par la mondialisation. Les échanges culturels et la migration peuvent enrichir les sociétés, mais ils peuvent aussi provoquer des tensions et des sentiments de perte d'identité. Et enfin, les défis technologiques. Les avancées technologiques et la digitalisation ont transformé les modes de production et de communication, rendant les frontières nationales moins pertinentes. Cela pose des défis en matière de régulation et de protection des données, d'où la souveraineté nationale peut être compromise par les acteurs internationaux. Pour conclure, nous estimons que malgré les défis posés par la mondialisation, la souveraineté reste un élément crucial pour le bien-être et le développement des nations. La souveraineté dans un monde globalisé implique un équilibre délicat entre les avantages de l'intégration mondiale et la préservation de l'autonomie nationale. Les États et même les acteurs sociaux doivent être capables de comprendre et de maîtriser les complexités pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les coûts associés à la perte de souveraineté. En tant que membres et acteurs du Forum social africain, nous lançons un appel au groupe d'initiative de Bakou de voir dans quelle mesure nous accompagner à poursuivre la mobilisation contre le néocolonialisme à travers notamment notre prochaine édition du Forum social africain prévu en République démocratique du Congo
en début de 2025. Je vous remercie. Thank you very much, Danny Boss. Dear panelists, I think we conducted very attractive, interactive discussions and dialogues, so we can complete our first panel session. And dear participants, distinguished honorable guests, after completion of first panel session, I will invite with great pleasure to this scene experienced person in struggle against neocolonialism, and our organization and all conference participants highly appreciate his contribution and efforts against neocolonialism policy in Africa. I will invite, now I'm inviting Mr. Kemes Seba for his presentation. Floor is yours. Que la paix soit sur vous. Salutations fraternelles aux autorités azéries, au groupe d'initiative de Bakou, qui a eu l'intelligence, la pertinence de pouvoir organiser, de savoir organiser cet événement contre le néocolonialisme, en particulier le néocolonialisme français. Je ne peux continuer évidemment cette introduction sans saluer mes frères et sœurs venus du continent africain, chacun en fonction de leur délégation. J'attends peut-être qu'il y ait encore du bruit pour que nous puissions bien nous entendre. Je les salue parce que je sais à quel point il est difficile parfois d'être sur le continent et de devoir faire des millions de kilomètres pour parler de nos causes, alors que parfois nous aimerions être dans nos propres pays pour régler nos problèmes par nous-mêmes, parce que c'est la vocation de l'autodétermination et de la décolonisation, c'est d'être dans une démarche de souveraineté et de prendre à bras le corps le combat pour l'indépendance de nos populations sur nos sols. Mais si nous sommes obligés de nous déplacer aussi loin, c'est parce que bien souvent, à l'exception de quelques pays comme les pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît, malheureusement, bon nombre d'autres pays sont, en ce qui concerne les questions relatives à la décolonisation, encore à la traîne. Beaucoup de personnes qui nous suivent en direct se demanderont comment se fait-il que les panafricanistes se retrouvent à Bakou, en Azerbaïdjan. Je comprends leur surprise, je comprends leur étonnement, et parce que des millions de gens nous suivent sur les réseaux sociaux, il est important aussi de faire de l'éducation. On ne peut pas comprendre la présence des panafricanistes à Bakou sans comprendre l'histoire récente. Du côté de l'Azerbaïdjan, évidemment, outre le fait que cet auguste pays a abrité et a dirigé le mouvement des non-alignés, ce qui pousse ce pays plus que jamais à se préoccuper des questions relatives à la décolonisation, parce que nous sommes objectifs et parce que nous sommes lucides,
Nous savons aussi que l'Azerbaïdjan est profondément lassé et fatigué de l'arrogance française qui passe son temps à donner des bons points de droits de l'homme, des bons points de valeur de respect de l'être humain à tous les pays, alors que la même oligarchie française elle-même ne respecte jamais les droits de l'homme lorsque cela concerne les populations noires sur le continent ou dans la diaspora. La France, on a vu son comportement lors de la question du Haut-Karabakh, mais cette même France, lorsqu'il s'agit de l'indépendance des pays d'Afrique francophone, lorsqu'il s'agit de l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, cette France oublie complètement la notion de droit de l'homme et de droit à l'autodétermination. Mais si l'on rentre en profondeur maintenant et que l'on se pose la question pourquoi les panafricanistes se retrouvent à Bakou, on ne peut pas saisir la dynamique présente sans se tourner vers le passé et comprendre les mécanismes du commencement. L'effondrement du mur de Berlin a changé profondément la face géopolitique du monde. L'effondrement du mur de Berlin a laissé le capitalisme se présenter comme le dogme économique, politique et sociétal absolu, connaissant par la suite, au XXe siècle, l'ultime forme de capitalisme que l'on appelle le néolibéralisme, qui lui-même s'est décomposé en deux parties de manière bicéphale, le néolibéralisme économique et sociétal. Si nous sommes nombreux dans le sud global à dénoncer le néolibéralisme économique, nous constatons qu'une grande partie des nations de l'humanité n'ont fait qu'incorporer à leur corps défendant cette doctrine économique comme la doctrine économique normative. Et c'est un problème. Mais un néolibéralisme encore pire que celui-ci a émergé, s'est constitué, est devenu une religion d'État pour l'oligarchie occidentale. Et ce néolibéralisme, c'est le néolibéralisme sociétal. Ce que certains appellent l'American way of life. Ce que certains appellent le mode de vie occidental. L'occidentalisation des mœurs. L'occidentalisation de la société. L'occidentalisation de la vie politique. Et cette arrogance, à travers justement la propagation de ces valeurs occidentales, a fini par heurter une grande partie de l'humanité qui n'acceptait pas que l'on vienne leur dire ce qui était bon ou mauvais dans le cadre de leur réalité. Et c'est à cette croisée des chemins que les panafricanistes et que des pays comme l'Azerbaïdjan se retrouvent. Les panafricanistes, et je vais parler au nom de notre organisation internationale Urgence Panafricaniste, structure qui a initié, fondé et forgé avec d'autres structures le front anti-CFA en 2017, qui a organisé les mobilisations au péril de nos libertés individuelles, parfois au prix de la prison, parfois au prix de l'expulsion, parfois au prix des menaces de certains de nos frères africains, l'ONG Urgence Panafricaniste a enclenché un processus de résistance au sein des masses en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les territoires d'outre-mer. Et cette ONG que je préside a compris la nécessité d'être présente à chaque endroit où le colonialisme était critiqué. Que ce soit pour des raisons sincères ou que ce soit pour des raisons, dirons-nous, opportunes. Toujours est-il que toute personne et toute nation qui a décidé de s'opposer au néocolonialisme nous a trouvés, nous trouve et nous trouvera comme partenaires. Nous sommes à une période de l'histoire précise où le Nord global est en train de perdre profondément son influence. Parce que le Nord global a vécu dans une sorte d'autisme géopolitique, en croyant qu'ils étaient les seuls capables de pouvoir donner une direction au reste de l'humanité. Mais le Nord global avait oublié que le Sud global lui-même était en train de s'organiser et que la globalisation de l'information permettait aux populations du Sud global et en particulier aux populations noires de ce Sud global de pouvoir s'interconnecter, de pouvoir échanger, de pouvoir se rapprocher.
de telle sorte qu'il n'y avait plus les frontières artificielles de la conférence de Berlin qui éloignaient le Bénin du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou des autres contrées. Mais cette fois-ci, il y avait une nouvelle génération qui transcendait ces différences et qui était capable de bouger ensemble pour aller dans une seule et même direction. C'est dans ce processus-là que nous avons été capables de nous organiser sur le terrain, sur les réseaux sociaux et dans les masses médias pour bousculer l'oligarchie française sur le continent africain et dans la diaspora. De telle sorte que cette même oligarchie française, dans un rapport qui est sorti il y a quelques semaines de cela, le rapport de l'école de guerre économique, a déclaré que le combat panafricaniste que nous menons est le combat qui cause la montée de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anticolonialiste français, un sentiment anti-arrogance française. Et cette exaspération que nous ressentons face à cette arrogance française est une exaspération que ressentent beaucoup de nations dans le monde. Je sais précisément, et c'est pour cette raison que je suis venu et que j'ai accepté l'invitation, soyons clairs, ne tournons pas autour du pot, je sais précisément que les autorités azéries sont agacées par cette arrogance et ce paternalisme français. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous sommes faits pour nous entendre. Parce que ce que vous découvrez à travers l'arrogance française, nous vivons cette arrogance et ce colonialisme depuis 5 siècles. Et donc, entre personnes qui sont persécutées, entre personnes qui sont méprisées, entre personnes qui sont combattues par ces pilleurs, par ces faiseurs de troubles, par ces semeurs de troubles, qui détruisent l'humanité mais qui font semblant de se présenter comme sauveuses, comme sauveurs de celle-ci, nous sommes faits, nous autres, damnés de la terre pour nous entendre. Mais nous devons être clairs aussi dans l'établissement de cette collaboration. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des nouveaux maîtres, que l'on soit clair. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des gens qui nous diront ce que nous devons faire, que ce soit clair. De la même façon que lorsque nous allons en Turquie, j'y étais il y a quelques jours, de la même façon que lorsque nous allons en Russie, de la même façon que lorsque nous allons au Venezuela ou ailleurs, nous disons toujours cette seule et même réalité. Si vous cherchez en Afrique des partenaires réels pour bousculer l'oligarchie occidentale, vous avez trouvé en nous des partenaires qui relèvent de l'idéal. Parce que même sans soutien depuis des années et des années, nous menions ce combat contre ce néocolonialisme sous la forme du néocolonialisme économique à travers la lutte contre le franc CFA, sous la forme du néocolonialisme militaire à travers la lutte contre les bases militaires, sous la forme du néocolonialisme structurel à travers la cooptation de dirigeants africains par l'oligarchie française. Nous menions ce combat à l'époque où aucun pays ne s'intéressait à notre lutte. Et nous menons ce combat plus que jamais aujourd'hui, à une heure où bon nombre de pays ont compris l'importance d'accompagner la résistance africaine de fond comme de forme. Je rajoute un élément qui me paraît, à mon sens, des plus déterminants pour que nous sachions exactement où nous allons. La dynamique politique et souverainiste qui est en train d'agiter une partie de l'Afrique francophone et qui est en train d'agiter une partie des territoires d'outre-mer est une dynamique qui doit être soutenue, mais qui ne doit pas être, et j'insiste sur ce point, parce que certains pays ont fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient agir de cette façon, qui ne doit pas être orienté, manipulé, instrumentalisé ou téléguidé. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens
de pays et de partenaires sincères, d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence. Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante, d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts respectifs et parfois partagés. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Azerbaïdjan partenaire, si on est dans une démarche sincère, nous avancerons. Je crois profondément en ce partenariat. Et je dis à Emmanuel Macron, votre hégémonie en Afrique et dans les territoires d'outre-mer touche à sa fin. Vos jours sont comptés. Merci infiniment. Thank you very much, Kim Seba. Thank you for highlighting such essential facts. And I'm sure that African people and all nations suffering from colonialism and neocolonialism highly appreciate your efforts. And now I would like to announce 30 minutes coffee break. Thank you.